quatrième et dernière vidéo, le passé simple des verbes en ER, y compris le verbe aller, que l'on pourrait appeler les verbes en A. Contrairement aux autres verbes, les verbes en ER, qui sont pourtant les plus fréquents, vont avoir des différences par rapport aux terminaisons habituelles. Au lieu du SST, accent circonflexe MES, accent circonflexe TES, RENT, avec je, nous avons AI. Avec il ou elle au singulier, nous avons A, et avec il ou elle au pluriel, nous avons E accent grave RENT. Alors c'est la difficulté des verbes en ER en même temps, parce que ces trois formes verbales sont les trois formes verbales les plus utilisées au passé simple. Cela nous donne pour un verbe normal le verbe danser, je dansais AI, tu danses AS, il danse A, nous dansâmes à accent circonflexe MES. Vous dansat A accent circonflexe TES, ils dansèrent E accent grave RENT. Donc là, il faudra prendre le temps de bien apprendre le je avec AI, le il ou elle avec A, et le il ou elle au pluriel avec E accent grave RENT. Attention, deux types de verbes peuvent poser difficulté, les verbes en GER et les verbes en CER. Puisqu'il y a un A, il faut mettre un E entre le G et le A. De la même manière, il faut mettre une cédille au C devant le A pour faire le son SE. Voici pour les verbes en ER.